quelques jours. Je dois rentrer plus tôt aujourd'hui. Ah, on va savoir ce qui s'est passé. Juste rentre dans la voiture. Arrête. Non mais t'as quoi t'as s'arrêt. Je pense que je devrais aller voir. Stop, laissez-moi pas partir. Non. Alors on dirait que cet homme bourré est en train de faire chier cette femme. Elle est en danger. Je dois la sauver. What a waste of time. You think you're worth causing me trouble, huh? I'll call the police. Call them if you want. The police are my bitches. They're not gonna take you seriously. No. Stop. Someone called the cops, huh? Get in the car. Incompetent fools like you just need to shut your mouths and follow where I steer this. Oh, what are you looking at? Get out of my face. This ain't a show. You're lost, kid. See? This is all because you're so damn slow. Get in the car. Donc en gros on a rien réellement fait quoi. Mais à la sauver on a juste appelé les flics. Il a voulu nous frapper je crois. Oh téléphone. Pipi pipi. Ah c'est cette appli bizarre. Je sais même pas comment elle atterrit sur mon téléphone. L'icône on dirait un œil. Je pensais l'avoir supprimé. Mes paupières commencent à être lourdes. Et bonne nuit. Bonne nuit. Oh, il se réveille. Oula. Dites rien, mais je mettrai un raccourci pour changer les scènes. Ok. Trickster, welcome to my velvet room. Je comprends la gueule, c'était ma langue natale, mais j'arrive pas à traduire. Ouais, je suis pareil. Inmate. The you in reality is currently fast asleep. You are only experiencing this as a dream. You're in the presence of our master. Stand up straight. Welcome. I am delighted to make your acquaintance. This place exists between dream and reality, mind and matter. It is a room that only those who are bound by a contract may enter. I am Igor, the master of this place. Remember it well. I summoned you to speak of important matters. It involves your life. J'ai eu un trophée sur Twitch. Des trucs importants. Still, this is a surprise. The state of this room reflects the state of your own heart. To think a prison would appear as such.
You truly are a prisoner of fate. In the near future, there is no mistake that ruin awaits you. Est-ce que tu te fous de moi? Worry not. There is a means to oppose such a fate. You must be rehabilitated, rehabilitated toward freedom. That is your only means to avoid ruin. Do you have the resolve to challenge the distortion of the world? Attends, quoi? You didn't decline, Very well, that is enough. Allow me to observe the path of your rehabilitation. Pardon me for not introducing the others. To your right is Caroline. Bonjour, to your Caroline. Left, Justine. Bonjour, Justine. They serve as wardens here. Ha! Try and struggle as hard as you like! The duty of wardens is to protect inmates. We are also your collaborators. That is, if you remain obedient. I shall explain the roles of these two at another occasion. Now then, it seems the night is waning. It is almost time. Take your time to slowly come to understand this place. We will surely meet again, eventually. J'aime beaucoup sa voix, mec. Now hurry up and go back to sleep. Ah. Il y a une sale tête, mais j'aime beaucoup sa voix quand même. Le 10. J'ai eu un rêve bizarre. Les ruines, la réhabilitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, on dirait que t'es réveillé. Je pensais que t'allais pas regarder à moi. Ouais, bon bah... Est-ce que... Enfin, allons nous présenter... Enfin, présentons-nous. Au staff... Hein, attends. Allons nous présenter au staff de là où est-ce que t'es transféré. L'école qui t'attend est dans le district de Ayoma. Ah, Ayoma. Enfin, quand tu penses que hier c'était la fin du monde... Quoi? Après, j'ai pas tout suivi l'histoire, j'étais en train de m'occuper du stream en même temps, je t'avoue. Si tu parles de l'histoire. Ouais. Mais sinon, ouais, comme je disais, c'est pas que je ne sais pas traduire, au contraire, je sais traduire. C'est juste que j'ai du mal à répéter ce que quelqu'un dit. C'est-à-dire que, quand même, en français, je suis au téléphone, la personne est en train de conduire, je suis au téléphone. Du coup, je réponds à son appel. Je vais avoir du mal à lui répéter exactement ce que la personne dit. Je vais en général. Juste prendre toutes les infos et les grouper et balancer tout ça en trois mots, quoi. Voilà. Ça va te. En gros, ça va te coûter de l'argent de prendre le train. Et la route est longue. Je vais te conduire, mais c'est juste pour aujourd'hui. Allez, on y va. D'accord. Donc ça, il est sympa quand même. Il est quand même sympa, le mec. Bon, du coup, vu que ce sera sur YouTube aussi pour la VOD, je suis désolé de pas traduire tout, hein. Mais il parle, donc voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ce jeu en français, ou même sur le chat, hein, dites-le moi, si jamais vous savez. Fais-moi une faveur, conduis-toi bien, ok? Don't get me wrong, I don't care what happens to you. Just don't cause me any trouble. Ok. J'avais les mêmes lunettes dans le temps. To reiterate, just so we're clear, you will immediately be expelled if you cause any problems. Honestly, I hesitated on accepting someone like you, but there were some circumstances on our side. Il est fat, lui, hein. Il a bien bouffé à midi à la cantine. En gros, il a dit qu'il avait hésité à nous accepter et que si on faisait le moindre pas de travers, il nous serait viré. Et qu'il avait hésité donc du coup à nous accepter, mais qu'il y avait des circonstances atténuantes de leur côté. Beaucoup d'argent à mon avis, ou beaucoup de bouffe. You might have done a variety of things in hiding in your hometown,
But you will behave yourself here. If you are thrown out from our school, there will be no place for you to go. Keep that in mind. This is the teacher in charge of your class. Bonjour, madame. I'm Sadayo Kawakami. Bonjour, Kawakami. Here's your student ID. Merci. Be sure to read the school rules. Any violations will send you straight to the guidance office. And if by chance you cause any problems, I won't be able to protect you at all. Bon, en gros, on n'a pas intérêt à faire de conneries. Elle, c'est la princesse, notre professeur principal. Et si on fait de la merde, eh ben, elle pourra pas nous protéger. Du tout. That is your promise, yes, Principal Kobayakawa? Mm-hmm. He is responsible for all his actions. On est responsable de toutes nos actions. But really though, why me? There should have been better candidates. It was a sudden transfer, and your class was the only one that had an opening. If you're done explaining things, mind if we get going? I got a store to get back to. Sakura-san, please keep a close eye on him. Don't let him cause any trouble outside. Faudrait pas qu'il cause des problèmes dehors. Well, I'll be sure to have a serious talk. T'as tout ça parce qu'on a voulu défendre une personne, quoi. Terrible. Come to the faculty office when you arrive at school tomorrow. I'll show you to your classroom. Donc on commence demain. Je pense que c'est de ça qu'il parlait quand tu parlais de casier judiciaire. T'as oublié de remettre ta cam, bien vu. Et le pire c'est que j'ai le stream pour contre F5, Shift F5, je sais plus. Le pire c'est que j'ai le retour en plein écran. Là c'est bon. Donc c'est contre F5. Merci de me le rappeler. Là, c'est ça qu'il veut parler quand il parlait du casier judiciaire. Tourne la page à propos du passé et tu les règles. Peu importe où tu vas, en gros. Au passage, si tu te fais virer maintenant, j'hésiterai pas à te foutre dehors, ok? Je ferai gaffe. L'école ne change jamais, hein. Allez, on retourne à la maison. Le chargement qui prend ton temps. What a troublesome situation. I can't believe they pushed someone with a record on me. A male teacher would be better suited for this. Why in the world was someone like that admitted here? Who knows? It was the principal's decision. I was told that it's for the school's reputation. I would have thought that my volleyball team has contributed. That's certainly true. Be careful, okay? Then again, if anything were to happen, I'd kick out a student like that right away. Oh, mettre mon stickers. Whoops, je le mettrai là peut-être. Ah, parce que j'attends des stickers de Whoops et je leur mettrai peut-être un là. Ça pourrait être pas mal. Genre j'en mettrai un de moi, je verrai, je sais pas. Still, that isn't something I should be saying as a teacher. Well, I should be returning to practice. Oh right, the tournament's coming up, isn't it? Having such high expectations placed on you by others is quite a... We'll have to work hard to make up for the track team, too. Yes, that's true. Why'd it have to be my class? Ah. Ah, c'est pas fini. Ouais, c'est ça, c'est F6. Traffic's not moving at all. Ah, le trafic n'existe pas. On va s'amuser à chaque fois, hein. Ça ne dépasse pas la caméra. The school, I mean.
C'est vrai qu'ils conduisent aussi de l'autre sens au Japon. Qu'est-ce que t'en penses, Jacob? Ça a l'air fun. Eh ben, on verra. Now listen up. Don't even think of doing anything stupid. J'y pense pas, t'inquiète. Still, you were expelled once already. It's not like anyone will be sympathetic with you. Au final, je laisse quand même la caméra. That's what it was like at school. People might say stuff about me in the future too. What a troublesome kid I've taken in. Pourquoi est-ce que vous m'avez pris? I was asked to do it, and I just happened to agree to it. Qui c'est qui a balancé un bibit? Là, j'ai vu un bibit se passer. Qui c'est qui a balancé un bibit? Je l'ai vu passer. Mais je l'ai pas vu passer le bibit. Qui a balancé un bibit? Bah, merci à la personne qui l'a balancé du coup. Mais tu l'as acheté complètement dehors du verre. A subway has derailed at Shibuya Station, greatly affecting the timetable all across the... Heureusement qu'on n'a pas pris le métro. Oh, another accident. So that's why it's so crowded. J'ai un pote, j'ai un ami, il y a une voiture comme ça. Genre une voiture, il a été la chercher en Angleterre, donc c'est une voiture avec le volant de l'autre côté et tout. Et genre le mec, à chaque fois que je monte dans sa voiture, et du coup que je monte de l'autre sens, je monte du côté où est-ce que normalement c'est le côté conducteur sur les voitures EU. Mais à chaque fois j'ai envie de choper le volant. Mais à chaque fois j'arrive pas à choper le volant, forcément il n'y a pas de volant. C'est bizarre, donc du coup à chaque fois je me casse la gueule. Oula. That was direct footage from the accident. According to the police, the engineer's life was not in danger despite his injuries. After questioning, even he could not explain his high speed when approaching the station. No further comments were made. Police are still looking for a plausible motive. It's less of an operating accident and more of a crime of the company and the government. Site inspectors apparently reported all of this 6 months ago. The deterioration of the tracks and the ATC. Seems a railway company and the Ministry of Transport both turned a blind eye to the truth. There's no way they can hide. This will go all the way to the top. Now on to our main story. With this derailment accident, as well as other recent incidents of unknown motive, concern is spreading among the general public. Just what could be causing such a drastic change so suddenly in these people? SNN has... Everything's linked. That's what you're thinking, correct? Oh well. Are you free? You and I haven't gone for a drink in a while. Thank you, sir. But I have another meeting to attend. I must be going. I was ready to go for this meeting. And that's when this extremely fast train just came crashing in. Oh man, I thought I was gonna die. A noisy subway platform filled with people was suddenly... Did you ask for me? Is it a case? Not quite. I want your opinion on something. Sure. Your judgment is quite often correct, though. Can we discuss this over sushi, perhaps? You are making a student work late, after all. Des sushis. Conveyor belt only. Give me des sushis. Moi, je veux des sushis. Moi, j'ai bouffé Jap il y a pas longtemps. C'était bon. Et ça faisait une paix que j'ai pas bouffé Jap. Jeez. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant de trafic aujourd'hui. À cette heure-ci. Je serais pas capable d'ouvrir le café aujourd'hui. Enfin bref. Juste là, en haut des escaliers, il y a un truc que j'ai à donner.
ressemble à DFG quand même. Talk about a gruesome accident. 80 people were involved. It's a diary. Make sure you write in it. You may be under probation. There's no special limitations on what you do in particular. Besides following the law, that is. However, I'm obligated to report on you, which is why I'm having you record your daily activities. Oh, téléphone. Hey, what's up? I'm about to leave right now. Don't worry, I'll be there in no time. I'll see you soon. Well, I'm off. I'll lock the place up. So do whatever you want for the rest of the night. Oh, but don't mess up my store. If something goes missing, I'll hand you right over to the cops. You got school tomorrow. You better head off to bed, all right? Mais t'inquiète, je vais pas faire de la merde. J'ai pas traduit, j'ai complètement oublié de traduire mon cerveau, il a dit non, je traduis pas frère. Je devrais écrire dans le journal ce que j'ai fait aujourd'hui. Ok, donc là c'est les sauvegardes, là il t'explique les sauvegardes. Demain je vais me lever tôt donc je vais me reposer. D'ailleurs on devrait... Ok, donc c'est start pour sauvegarder. On a combien de save au total? 16, très bien. Très bien. Bon voilà, comme ça on est ok. Obéir aux instructions. C'est fait. Cette sonnerie devrait sortir de mon téléphone. Mais du moins c'est pas le cas. J'entends sortir, j'entends de en bas. Vite, va chercher le téléphone. Il est où le téléphone? Il est là. Payphone. Hey, c'est moi. C'est qui? C'est lui, c'est Sojiro. Tu as déjà oublié ma voix? J'ai fermé le restaurant, mais j'ai oublié de tourner la pancarte. Et je suis déjà assez loin pour ne pas faire demi-tour, donc est-ce que tu peux le faire pour moi? Je pense pas que tu aies aimé le faire. Tu es appelé d'un truc public. Ok, je le fais. Ça, je suis sûr, si jamais. Enfin, comme ça, je suis sûr que personne ne viendra. Comme si c'était écrit ouvert. Ouais, mon Dieu, merci que je suis capable de t'avoir rejoint. Et désolé, mais je ne suis pas enregistré sur mon téléphone portable. Bref, je suis content que tu aies répondu au téléphone du magasin. Bon, je te laisse te charger de la porte. Merde. Mais du coup, je suis sorti. Voilà. T'es obligé de sortir pour le faire. Allez dormir. Et y a rien que je dois faire? Non, on va dormir. Je prends le train jusqu'à l'école. Et tout. On dirait que je dois aller à Shibuya pour le transfert. Il y a plus de nouvelles à propos de l'accident. On dirait qu'il y a eu du monde qui a été blessé. Je suis sûr que ça a affecté les horaires de demain aussi. Oh. Tiens, l'application que j'ai supprimée hier a été... Elle est revenue, et pourtant, en plus elle clignote.
Je pensais l'avoir supprimé. Je devrais probablement redémarrer mon téléphone juste comme. Et là c'est le moment où tu te fais chier parce que le téléphone redémarre. Et donc du coup tu t'endors. Don't be scared.